Bisous, bisous, bisous. Tout, 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 tout. Bisous d'amour. Moi, je suis trop contente, on se retrouve. Alors, tout, tout, tout. C'est bien, hein? Bon, allez. Donc, on va faire ensemble des petites décos, mais super simples. Bon, je suis déçue parce qu'il y en a une. Franchement, je pensais qu'on allait pouvoir la faire ensemble. Et je viens d'aller dans le garage. Il me semblait qu'il me restait des pommes de pin et... J'en ai plus, donc c'est dommage parce que je voulais faire un petit truc. Enfin, ouais, c'était ça, un petit hérisson endormi. Ils appellent ça petit hérisson endormi. Enfin, je trouvais que c'était super mignon, mais bon. Donc, bon, voilà. On va faire donc en premier, on va faire un petit lutin de Noël. Vous voyez, bah oui, je vous montre même pas. Bah oui, parce que, comment dire. Vous vous rappelez, c'était le catalogue Sostren que j'avais eu gratuitement. Et je vous avais montré en vidéo, je vous avais dit, je ferai une vidéo avec des petites décos pour Noël. Et puis, voilà quoi, donc, voilà, voilà. Alors, on va commencer par le commencement. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous allez voir, c'est vraiment simple, 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 très simple. Alors, il vous faut de la feutrine. Alors, la feutrine, prenez ce que vous avez, la couleur que vous avez, ça, franchement, ça n'a aucune espèce d'importance, hein. Là, après, il faut du papier, vous savez, de la garniture. Moi, bon, il m'en restait parce que j'avais fait, vous vous rappelez le petit kit d'action, là, que la petite sirène, elle est là sous la main, vous vous rappelez la petite sirène. Et donc, il fallait mettre du rembourrage. Donc, il m'en restait. Bon, je l'ai gardé, puis tiens, ça tombe bien parce que je vais pouvoir l'utiliser. Bah, maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre, je ne sais pas, moi, de la ouate. C'est bien, ça, de la ouate, moi, je trouve. Hein. Donc, voilà. Après, si vous avez, c'est pareil, si vous avez, moi, vous voyez, c'est ces perles-là que j'avais acheté donc, Action. Il y a toujours moyen, je veux dire, de dériver un petit peu, hein, sans fonction de ce qu'on a sous la main, hein, là. Et puis, après, on va mettre un petit morceau de, parce que je vais faire deux trucs, hein, je ne vais pas mélanger, non, c'est pour après, ça. Après, on va mettre un petit bout de ficelle. Bout de ficelle ou un petit bout de laine ou un, vous voyez, ça vraiment bon, pistolet à colle, il est en train de chauffer là. Ouais, bon, alors on va faire d'abord dans la feutrine. Alors, la mettons, vous voyez, par exemple, vous prenez la pointe comme ça, c'est encore plus facile et on va couper ici. Hein? Donc, bah, je l'ai déjà coupé, donc je vais pas le recouper. Alors, voyez, donc on prend la pointe de la feutrine et puis vous allez venir faire donc un trait comme ça. Hein? Voilà, puis on va donc découper. Alors maintenant, c'est en fonction de la grandeur que vous voulez, mais à mon avis, il faut faire au moins cette dimension-là. Hein? Alors la dimension, enfin à peu près, hein? On n'est pas à 1 cm ou voilà. Hein? À peu près, vous voyez, ça fait 10 cm. Ouais, ça fait 10. Ouais, vous faites 10 cm, c'est bien 10 cm, mais bon, moi, il y en a un qui est 10, l'autre est à 9. Alors vous voyez, hein? Je fais comme ça, j'ai pas mesuré, hein? Bon. C'est un truc, voilà. Hein. Bon, alors après, donc ça, je vais me mettre là. J'ai essayé d'organiser comme je pouvais. Hein, vous savez que c'est pas facile pour moi d'organiser. Bon, enfin, voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit point de colle. On va le mettre ici. Vous voyez, pour qu'on puisse faire comme ça. Attendez, hop. J'aurais pu abaisser le portable, hein, mais je pense que ça sera peut-être pas nécessaire. Attendez. C'est peut-être justement parce que... Ouais. Ah, faut bien rouler, en fait. Vous voyez, on va bien rouler le... comment... la feutrine. Voilà. Et après... Bon. 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 Pourquoi ça va pas? Comment ils font Ouais, bah c'est ça, non? Mais de toute façon, c'est ça, hein. Il faut bien la rouler, hein, de toute façon. Ou peut-être si on raccourcit un peu, non? Non, mais c'est pas grave, on va rouler, rouler, rouler. Voilà. Et on va encore rouler. Non, ça va pas du tout. Non, et ben, voyez, il faut quand même... Faut pas, faut que ça fasse comme ça, mais attendez, attendez, attendez. Je vais rabaisser le truc. Attendez, je vais abaisser le téléphone. Hein. Excusez-moi, excusez-moi. Ce sera mieux. Voilà, j'ai mis. Voilà. Comme ça sera mieux de le faire
Vous verrez mieux, je pense. Non, attendez, je regarde parce que si. Voilà. Comme ça, ça c'est pour après, Nathalie. Mélange pas tout. Bouh. Voilà. Alors. J'ai peur que le téléphone y tombe. Non, je pense que ça va. Alors, il faut vraiment faire quelque chose comme ça. Vous voyez, donc je vous dis, mais des bêtises, mais des énormes bêtises. Donc, on va essayer de couper bien, que ça fasse vraiment... Parce qu'à mon avis... Voilà. Et là, maintenant... Ouais, je pense que ça ira mieux. Je pense que ça ira mieux. Ouais, alors on va, vous voyez, on va, bon, voilà. Hein. Alors maintenant, la dimension, bon, alors je vais la refaire. À peu près, allez, 7, oups, 7 et puis, ouais, enfin 7 et 6, quoi. Enfin bon, bref, hein, bon. Non, mais si, on n'est pas à 1 cm. Hein. Voilà, et puis après, on va mettre un point de colle comme ça, voilà. Alors ici... Là, eh ben voilà, on met un point de colle comme ça. Alors moi, je vais mettre un point de colle ici, vous voyez. Ah, c'est marrant parce que... Toc. Parce qu'il est sans fil, alors autant utiliser sans fil. Donc je recommence. Voilà, comme ça. Ouais, il faut pas exagérer, hein. Je veux dire... Alors, je vais mettre un point de colle ici. Je regarde en même temps si... Enfin, moi, en général, les points, c'est des gros points. Hein. Je dis un point, mais... c'est toujours... Aïe, ça brûle. Ouais, je... Aïe. C'est chaud, hein, ce truc. Ouh. Aïe, 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 aïe. Bon, alors... Et du coup, c'est un... Oh, non. Bon, enfin, vous voyez, il faut que ça fasse comme ça, hein. Voilà. De toute façon, après, il va y avoir une perle. Donc, voilà. Donc, il faut que ça fasse ça. Là. Après, on va mettre ici, à l'intérieur, bon, on va mettre un petit peu de garniture. Bon, c'est pas la peine d'en mettre énormément, puisque c'est juste pour le bas. Donc... Voilà, c'est pas la peine de... Ben voilà, c'est bien, là, comme ça. Alors, moi, je vais mettre un petit peu de colle. Vous voyez, ici, là. Là, comme ça. Entre parenthèses, ce pistolet à colle, c'est le pistolet de... que j'avais acheté à Lidl. Et franchement, il est top. Hein. Ouais, il est vraiment, 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 vraiment bien. Voilà. Comme ça, vous voyez, hop, voilà. Maintenant, si vous voulez le faire plus grand ou plus petit, bah, plus petit, je ne sais pas. Hein. Mais vous voyez, bon, il faut que ça fasse ça. Après, on va mettre un petit nez. Ils ont mis un petit nez comme ça, mais bon, alors, ils ont mis une perle, mais moi, je trouvais qu'avec une perle, ça faisait bizarre. Donc, moi, j'ai pris un petit carré de feutrine, vraiment... Voilà, je vais mettre un petit point de colle pour bien faire comme un petit rond, en fait. Hein. Ah, oula, alors là, non, c'est plus le point, là, c'est... Oh là là, ouais, j'en ai trop mis, puis je vais me brûler les doigts, en plus, là. Ah. Oula là. Ah ouais, là, je fais n'importe quoi, je vous assure. Oula là. Ouais, je fais pas attention, j'en mets trop, moi. Bon sang. Bon, faut lui faire un tout petit nez quand même. Hein. Faut que ça soit. Bon, après le nez, vous faites. Même si vous avez un. Eux, ils disaient mettre une perle, mais franchement, je ne voyais pas la perle de quelle couleur on aurait pu la mettre. Maintenant, pour la mettre orange, j'aurais peut-être pu mettre. Je sais pas où elles sont les perles orange. Ça fait drôle de mettre une perle, je trouve, non? Attendez, je vais essayer qu'une perle. Parce qu'ils disent de mettre une perle. Si je mets une perle comme ça, j'ai l'impression que ça fait bizarre, moi. Non, je préfère mettre... Non. Ce truc-là.
Non, je trouve qu'avec une perle, ça fait drôle. Bon. Donc, je vais mettre plutôt un petit bout. Alors, il est où le nez? Le nœud? Le nez. Le nœud. N'importe quoi. Hop, voilà. Alors, ici, je vais mettre un petit point de colle ici. Mais cette fois-ci, un petit point, pas un gros point. Voilà. Pour faire le nez, en fait. Là. Là. Je trouve que ça fait pas spécialement joli avec le truc orange là. C'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais vraiment un petit rond, quoi. Un petit rond. Aïe. Puis j'ai toute la colle comme ça. Non, je sais pas, c'est pas top là. Non, c'est pas. Bon, alors, Nathalie. Je voulais, c'était une perle couleur. Bon, je vais quand même pas chercher. Une perle, ouais, mais elles sont trop grosses, celles-ci. Si on met une petite perle marron comme ça. De toute façon, le nez en feutrine, là, oh là là, c'est pas joli. Oh. Enfin, je sais pas que ça fait un nez, moi, une perle comme ça. Si? Bon, c'est peut-être moi, là. Bon, je vais remettre un petit peu de rembourrage. Je le trouve pas spécialement joli, mon petit lutin, là. Hein. Franchement, vous allez me dire, Nathalie? Il est pas beau. Oh non! Bon, ça, on va le retirer. Bon, on va recommencer. Je vais mettre un petit point de colle. Et on va lui mettre un petit nœud, un petit nez, décidément. Hein. Je vais lui mettre un petit nez marron. Voilà. Bon, regardez qu'un petit nez marron. Je trouvais que ça va, c'est mieux qu'avec la feutrine. Hein. Donc après, le nez, bon, mais. On mettra ce qu'on veut, hein. On peut, voilà. Non, bah ça va, tout compte fait, non, ça va. Bon, ça. Et après, on va mettre un petit bout de ficelle. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec la ficelle? Il faut mettre une perle. On prend une perle. Non, ce que je veux dire, c'est parce que je pensais qu'il fallait faire un petit trou. On va peut-être le couper quand même, hein. La ficelle, elle est bien trop grande, là. Toc. Alors, on va mettre. Après, c'est pareil, hein, si on. Si j'ai. Ah bah oui, j'allais dire si vous voulez pas mettre un. Comment dirais-je? Une perle, vous pouvez mettre autre chose, mais c'est. Ouais, en fait, c'est pour que ça fasse le petit chapeau, en fait, la perle. Hein. Alors, c'est bien mis les deux là? Est-ce que c'est bien mis les deux? Oui. Bon, j'ai l'impression que la ficelle, c'est pas. Elle n'est pas top celle-ci, hein, mais pas spécialement jolie. Ouais. Bon. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis la petite perle. Et maintenant, ouais, ça c'est pour l'accrocher. Et ça, ben, moi je vais faire un nœud hein, parce que je vois pas trop. Attendez. Hein.
Bon, attendez, je vais prendre une autre ficelle parce que cette ficelle-là, j'aime pas du tout, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Ah voilà, c'est ça. Ça, je préfère. Alors. Hop. Et voilà. Les deux, c'est la ficelle, il me semble, de chez Action. Toutes les deux, mais il y en a une, j'aime pas trop. C'est celle-ci, en fait, je vous montre. Mais j'aime pas trop celle-ci, elle est où? Voilà. J'aime pas trop. Vous voyez, c'est celle-ci. Non, je préfère la grosse ficelle. Bon, alors, donc. Bon, Nathalie, est-ce que tu vas réussir? Bon, oui, hein, je pense. Il n'y a pas de raison, non? Il n'y a pas de raison. Parce que maintenant, la ficelle, elle est quand même assez, comment dire, épaisse, on va dire. Alors, il me faut un truc. Ah là là. Bon, attendez, j'essaie de trouver qu'est-ce que je pourrais faire différemment, mais je ne peux rien faire. Il faut que je mette comme ça maintenant. Là. Oh là 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 là. Bon, ben, il n'y a pas le choix. On va recommencer avec cette ficelle. Là. Tant pis, on va mettre après. Oh là 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 là. Je suis désolée. Je suis désolée. Ah non, alors. Voilà. Bon, voilà. Hein, bon, j'ai bon, en fait, j'ai repris la ficelle que je disais que je n'aimais pas, mais j'avais pas le choix. Alors, comment elles font tenir? Dites-moi un peu. Oh, je vais mettre un petit point de colle ici, là. Voilà. Bon, oui. Allez. Hop. Toc. Et toc, 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 toc. Toc, on va mettre un petit point de colle ici, ben voilà, et c'est parti. Donc vous voyez, je vais mettre un petit point de colle ici dans le chapeau, là. Tiens, tiens, bon, c'est marrant parce que... Oh. Non, ce que j'allais dire, comme j'ai débranché le... Comme j'ai débranché le pistolet à colle... Voilà. Bon, allez, j'avoue, il n'est pas top, hein, mon petit lutin. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Voilà. Vous, je suis sûre que vous allez refaire quelque chose de bien. Oh, ben, je suis contente. Ah, ben, je suis contente. Il y a une drôle de tête, mais je suis contente quand même. Je suis contente parce que j'ai réussi à le faire. Donc, voilà. Alors, on va essayer de... Parce que là, on peut... Voilà. Parce que derrière, c'est pas très joli, hein. Vous voyez un peu? Pas très esthétique, hein. Bon, alors voyez, mais ce que je veux, c'était simplement pour vous montrer un petit peu le résultat, en fait, hein. Donc, vous voyez, voilà. Ici, hein, bon. Enfin, voilà, donc ça, c'est le petit... Alors, vous voyez, j'ai mis une petite ficelle avec une petite boule, voilà, comme ça, voilà. Enfin, s'il est bien fait, à mon avis, c'est mignon. Bon, là, pas très bien, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, voilà. Donc, ça, c'était le premier petit tuto. Je vais rebrancher comment dire, mon pistolet à colle, là, parce que c'est pas... Voilà. Toc. Bon, alors, ça, c'est le premier. Voilà. Bah, j'étais contente, en fait, de vouloir faire ce petit tuto... Bon, un petit peu raté, hein, quand même, un petit peu raté. Hein. Non, mais c'est rien, c'est pas grave. Alors, maintenant, ici, on va faire un petit sapin. Alors, un petit sapin. C'est quelle page? Alors, bien sûr, c'est les... Voilà, ça va être celui-ci. Encore un petit truc super simple et super simple. Alors, nous, j'avais sur la dernière page, vous voyez,
un petit sapin pour le décalquer. Bon, on va peut-être oublier le calque. Ah bah voilà, ça y est. Vous voyez, c'était comme ça. Donc, j'ai pris un petit morceau de calque et puis j'ai... Voilà, j'ai fait comme ça. Bon, alors maintenant, regardez. On prend un bout de feutrine. Je vais vous dire la mesure. Vous voyez, regardez, je vais bien vous le montrer comme ça. Si même vous voulez, vous voyez, bien refaire... Oula, bien refaire la même chose. Tac. Alors, la grandeur, alors c'est pareil, la grandeur, on fait en fonction de... Il fait 8 cm. Bon, je vais le refaire un petit peu avec vous, comme ça. Hein. Mettons, j'ai ma feutrine. Alors, je vais prendre le modèle. Alors, allez, hop. On va mettre... cran de bois. On va que ça fasse... Oups, voilà. Alors, je vais prendre d'ici la pointe. Oula, qu'est-ce que je fais tomber? Oula, là, là, là. Alors, la pointe, c'est quoi, ça? Ouh. Alors, on va prendre comme ça, vous voyez, hop. Ah, oh, je ris parce que je vois rien. Alors, bon, attendez, je vais prendre des feutres. On va prendre un feutre gris. Alors, donc, comment on va faire? On fait ça, déjà la pointe, comme ça. Voilà, de toute façon, il ne faut pas que ce soit bien, bien régulier, de toute façon. Hein. Après, voilà, moi j'aime bien que ce soit bien... Quand même rond. Hein. Là, on le fait ensemble. Hein. Toc. Après. Voilà. Vous voyez des bons. Des bords un petit peu arrondis. Hein. Ce sera un petit peu plus grand celui-ci, mais bon. Voilà. Et puis après, donc voilà. Et puis après, bon voilà. Hein. Voilà, hein. Maintenant, c'est pas... Voilà. Donc, après, bon, on découpe tout autour. Donc, voilà. Ça, ici, je vais mettre ici. Donc, on a notre petit sapin. Donc, ici, au milieu, je vais prendre un petit, une petite paire de ciseaux pour faire un petit trou. Voilà, comme ça. On va accrocher à nouveau... voilà, ici, je peux prendre un petit bout de laine comme ça, un petit bout de ficelle. Non, 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 non. Oh, bah, si. Allez. Voilà, je vais reprendre ce bout de ficelle. Toc. Voilà. Alors, là, après, on vient... Je vais d'abord faire la décoration. On va venir mettre le petit bout de ficelle. Bon, bah, je vais faire maintenant comme c'est fait. Le petit bout de ficelle ici. Et puis après, on va faire un petit pompon. Alors, ici, bon, pour la déco, vous voyez, ils n'ont pas mis de déco, eux. Mais, bon, bah, moi, j'ai envie de mettre... Alors, j'ai pris des feutres. Donc, on va faire des petites boules rouges. Alors, après, bon, on va faire des petits points, des petits trucs. Hop, 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 hop. Voilà, des rouges, des roses. On voit pas trop la différence, hein, entre les rouges et les roses. Non. On aurait même pu coller des petites perles, hein. Ça aurait été bien. Et puis, on va mettre des petites guirlandes. Ah ! Oh là là, j'ai eu peur. Excusez-moi, excusez-moi. Oh là 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 là. Et puis, on va mettre des petites guirlandes d'orange. Voilà. Oui, on va faire des petits traits comme ça. Voilà, il ne faut pas du tout que ce soit bien, bien, bien régulier, évidemment. On va mettre des trucs comme ça. Hop. Bon, enfin, voilà. Après, je veux dire, la déco, hein, c'est vraiment... Hein, voilà, quoi, pour... Oui, hein, voilà, une petite déco. Hein. Bon, des petits points, des petits trucs pour faire des petites...
Petite boule de Noël, des petites guirlandes. Bon, alors après, on va faire. Bon, après, en fait, c'est simple, il n'y a plus qu'à faire le pompon. Alors, on va faire le pompon. Non, c'est pas un pompon. Ouais, c'est des pompons. Enfin, c'est des pompons. Enfin, je me comprends. Bon, moi, je l'ai fait comme ça. Toc. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà. Après, je retire. Voilà. Je vais quand même mettre d'abord le fil ici. Voilà. Je vais faire encore un petit nœud. Voilà. De toute façon, il ne faut pas l'attacher. On va laisser un petit, on va laisser un petit bout de. Un petit bout de fil. Hop. Alors après, bah, je mets ma paire de ciseaux à l'intérieur. Et puis voilà. Puis après, bah, je vais égaliser parce que. Bon, je ne veux pas que ça fasse un grand pompon. Je préfère que ça fasse un petit pompon. Voilà. Après, on va dire, voilà, on égalise. Et on peut aussi le coiffer. Voilà. Voilà. Comme ça. Hein? Voilà, le petit pompon. Voilà. Et puis on va faire un petit trou ici pour mettre un petit voilà, moi j'ai voilà. Moi bah, je trouve que c'est bien. Alors, toc, je vais refaire la même chose hein. Bon, tant qu'à faire, je vais essayer de bien je vais essayer de bien centrer. Voilà. Toc. Voilà. Alors, ici je vais bien comment? Voilà. Toc. Et voilà, comme ça. Bon, alors, donc, évidemment, on va faire un petit nœud. Hop. Et voilà. Donc, c'est juste pour mettre. Oh, bah, d'accord. Oh, my God. Bon, on va peut-être. Enfin, bon, voyez, normalement, il faut. Puis moi, j'ai coupé la ficelle, alors, évidemment. J'ai coupé. Ben, j'étais contente en plus. J'ai dit c'est super, super, j'ai réussi. Et puis non. Oh là 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 là. On va refaire un petit nœud. Oh là là, j'ai honte. Hein. Avec les tutos. Franchement. Heureusement que vous me connaissez bien. Hein. Oh là 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 là. Mais j'imagine si on regarde ma vidéo. Si quelqu'un découvre ma vidéo, va me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi son tuto? Expliquez-moi, c'est quoi ça? Non, je sais, j'avoue. Voilà. En deux mots, ça, maintenant, il est plus bien. Hein? Maintenant, il est pas joli. Hein? Oh! Bon, il était beau, hein? Vous avez vu qu'il était joli quand même tout à l'heure. Puis là, voilà. Bon, on va recommencer. Alors, donc je recommence. Je recommence. Hop. Bon, j'espère que là, ça va aller, là. Ouais, en fait, il faut que je mette la laine de ce côté-là. Dans. Voilà. Voilà, et.
Et voilà, ouais, non, c'est parce que je l'ai pas bien mis comme il fallait. Voilà, hein. Bon, voilà. Avec le petit pompon et la petite ficelle. Bon, alors dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez me dire, c'est nul, Nathalie, c'est nul. Bon, j'ai voulu, franchement, j'ai voulu vous faire plaisir hein, pour essayer d'en faire les petits tutos, comment dans le livre, mais bon, enfin voilà quoi. Hein. Je suis sûre que vous allez faire quelque chose de mieux que moi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Enfin voilà, moi j'étais quand même contente. Oh, je vais peut-être débrancher ça. J'étais quand même super contente. Attendez, le bon fil, voilà. Ah voilà, attendez, je vous reprends tout de suite. Voilà, hop là. Hop et hop. Voilà, donc je disais, j'étais en train de dire. Attendez, oh là, si je mets ma main devant. Excusez-moi, là, franchement. Oui, donc j'étais en train de dire que j'étais super contente. Même si j'avoue, je reconnais. Et j'assume complètement. J'assume complètement. Le tuto, il était vraiment pas bien. Il était pas bien, pas bien. Mais voilà, j'ai cru qu'il aurait été mieux quand même. Hein. Bon, enfin voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, hein, parce que j'ai passé un super bon moment avec vous. Et puis voilà, bon, j'espère que vous pourrez, ça vous donnera, on va dire, des petites idées en fait pour le petit lutin et puis pour le petit sapin. Mais comme je vous disais à l'instant, je suis sûre, j'en suis certaine, que vous allez faire quelque chose de très très bien. Voilà, hein, moi c'était pas top, mais bon, c'est pas grave. Enfin voilà. Hein, donc je vous remontre quand même le petit lutin et le petit sapin. Voilà. Faire du coup d'oreille. Bon, voilà. Bon, allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite donc, bah, je ne sais pas, une bonne. Voilà, ouais, parce que moi, comme j'ai fait la vidéo tout à l'heure, j'allais dire, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne semaine. Donc, une bonne semaine, hein, comme je vous dis à chaque fois, avec plein de bonheur et puis de la joie. C'est tout ce que je vous souhaite. Plein de belles choses. Voilà. Bon, je pense, mais bon. Je vais pas dire ça parce qu'il y a des moments, je vous dis, on se retrouve pour parce que comme j'ai une vidéo qui est déjà pré-filmée, je voudrais aussi la mettre en ligne. Mais c'est possible qu'il y aura peut-être une autre vidéo. Alors je préfère rien dire comme ça. Bon, vous n'êtes pas déçus. Voilà, comme ça, ce sera la surprise. Comme je vous dis à chaque fois, on se retrouve et voilà. Et puis bon, après, peu importe le genre de vidéo que je vous montrerai. Et puis il faudra que je vous montre aussi hein, comment dire le crochet parce que je suis trop contente. Bon, allez, moi je vous fais des bisous et encore plein de bisous et encore des gros gros bisous d'amour. J'ai passé donc une superbe après-midi donc avec vous. Je vous remercie donc du fond du cœur et puis donc voilà pour toute votre gentillesse et puis pour tout l'amour que vous pouvez m'apporter donc au quotidien. Je pense à vous très 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 fort. Je pense à vous tous les jours, de toute façon. Donc, je vous l'ai déjà dit, hein, la nuit, le jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous êtes là, vous êtes dans mon cœur. Et voilà, vous êtes dans ma vie. Alors, bisous et encore plein de gros, 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 gros bisous d'amour. Et je vous dis à très très vite, mes amours adorés. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous, mes amours adorés.